Oh, c'est bon, je viens de lancer le stream. T'as lancé ton string? Yes. Il est tendu ou pas? Est-ce qu'il est tendu comme une crampe ton string? Ce qui est bien, c'est que je vais devoir voler du coup pour atteindre les autres zones. Bon, j'ai failli lâcher une dinguerie, mais tu m'as dit que t'étais en live. Je reviens. Ok. On va recommencer par faire la ring glace du coup. Des vols, on va aller à Freema Peak. Le multi XP sur Dimoray. Lancé par Top Dresseur Patrick. Salut Patrick. Lance flamme. Et quoi du coup là? Je suis à l'arène glace. Ah mais ils sont que niveau 34 là. Après je pense que farmer les Pokémon sauvages ou les dresseurs de la route victoire, ça peut être une solution. Le problème c'est qu'en gros tu tombes vraiment sur les trucs chiants des fois quand même. Combat, c'est une efficace sur spectre? Oui. Le champ avec son objet là qui permet de pas crever. Même pas mal d'XP que ça rapporte. Pour l'écart de niveau qu'il y a. Bon après j'ai le multi-ex forcément. Attends, je t'entends pas. Ouais. Tu disais? Oh, pas plus. Allez, je vais monter mon pull, j'ai froid. Moi je suis en calbar et toi t'as froid. Ah, je suis en calbar aussi, mais. Ouais, j'ai froid dans le dos. Non, j'ai pas peur. Je l'ai pas fait. J'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. Bizarroi, ça existe Bizarren ou pas? Non. C'est sexiste le jeu. Oh non, pas la grêle. Oh, Dimoray level 50. Ah, ça fait vraiment tomber la graisse, c'est-à-dire le machin me met des dégâts du coup. Oui. Oh, c'est chiant ça. Oh, mon Gibrali il serait content. Parce que mon Gibrali il gagne de l'esquive quand il grêle. C'est broken. Ah, c'est son talent après. C'est quand même assez situationnel. C'est-à-dire qu'il faut. Comme je fais pas tomber la grêle naturellement, je dois passer un tour pour faire tomber la grêle. Et ensuite jouer. Donc c'est un peu nul quand même. T'as d'autres Pokémon de glace qui font tomber la grêle? Bah, y a que Blizzy et Blizzaroi qui ont le talent qui fait tomber directement la grêle. Après, y a une attaque qui est grêle qui fait tomber la grêle quoi. Un peu nul la phrase. Y a une attaque grêle qui fait tomber la grêle. Non, ça fait pas tomber. Oh, mais nique ta mère avec ta ceinture force. Quoi? Pourquoi il m'a attaqué deux fois de suite là alors que c'est moi qui l'avais outspeed de base? Balayage, c'est une attaque de prio? Non. Bon bah c'est pas logique alors. Il triche. Après, vous pouvez avoir la même speed si vous avez la même speed, c'est 50-50 pour savoir qui est-ce qui prend le lead. Hein.
Elle se jouera à la chatte. Ouais. Avec ton plasma, il est que niveau 51, ça va pas du tout ça. Starfire, il est que niveau 51 avec ton plasma. En vrai, oublie pas que t'as des super bonbons, tu peux en XP à fond avec ça si tu veux. Ouais, c'était ce à quoi je pensais l'autre fois. Toi, tu veux le faire ou après? Pour rentabiliser, il faut le faire quand ton Pokémon il vient tout juste de passer le niveau, tu sais. Ah, ça fait passer au niveau supérieur et... Oui, ça fait passer au niveau supérieur, donc si t'es à la fin de ta barre, c'est inutile. Ouais, ça fait quoi la pression? C'est quoi la pression déjà? Je crois quand t'es sous pression, tu consommes plus de PP quand tu utilises des attaques. J'arrive même pas. Oh. Quoi que la ceinture force, hein, sans déconner. Glace, c'est fort sur insectes? Non, c'est neutre. Surtout que t'es acier aussi, et acier ça tank la glace, il me semble. Ah oui, combat fort, acier fort et insecte fort. Insecte c'est fort parce qu'il est ténèbre. Parce que c'est pas fort sur la glace. Il... J'ai pas à mettre comme quatrième. Pas quand même comme quatrième attaque sur mon Scizaiox. T'as quoi là? Alors ATM j'ai close combat, play croix, dance slam et piste au point. Bah t'as rien à changer. Ouais, mais piste au point c'est weak aussi. C'est une attaque de prio. J'aurais dû la lancer. T'as pas bonne attaque acier physique à prendre sur Scizaiox, je pense. Ouais, je crois que j'avais déjà regardé. Bon, dis-toi que si tu places une danse lame et que t'envoies ou t'arrives même à en placer deux et que t'envoies du piste au point, si ça tank pas, ça va se faire OS en face. Hein. Si tu places deux danse lame et que tu utilises piste au point par exemple, dinguerie. Hein. Il reste combien de dresseurs? Il en reste un ou deux? Je crois qu'il en reste un, je vais pas prendre la peine de me heal et tant pis, je ferai pas le dernier combat. Let's go! Dans l'arène ténèbres, j'ai trouvé au hasard la bonne porte. Let's go! C'est pas l'arène spectre celle-là plutôt? J'ai dit quoi? T'as dit ténèbres. Ah pardon, c'était spectre que je voulais dire. La reine glace, j'ai beau la faire plusieurs fois, j'ai souvent des trous de mémoire en mode c'est quoi le travel pour aller rejoindre tel ou tel dresseur, tu vois. Bon, après, tu y vas un peu au pif et ça passe en général. Après, du coup, je m'en rappelle, mais en vrai, je me dis heureusement que le champion, tu l'affrontes qu'une fois. Hein. Oh, un Dimoré, parfait, je vais pouvoir lui péter sa gueule. En vrai, moi, pour XP, j'aurais dû refaire la ligue pour le coup, parce que comme je sais que je passe. Les premiers combats. Ah, tu peux refaire les dresseurs de la ligue. Ouais, puis sur un coup de chance, ça se trouve que j'arriverai à battre le combat que j'ai pas gagné l'autre fois en plus, tu vois. Ah, si c'était close. Bah, c'était close juste parce qu'il y a un de ces Pokémon que je peux pas tuer, mais je suis sûr que les autres, je les tue en fait. Il y en a un, il me tue tout et moi je peux pas le tuer, donc il faut que je trouve la tech pour le tuer. Et tu verras, hein, tu vas te faire détruire aussi par le Alakazam du quatrième dresseur. Alakazam! Du coup, Alakazam, c'est un psy, non? Ouais, ouais, les derniers dresseurs, c'est un psy. Dernier du conseil 4. Donc, en gros, dans l'ordre, c'est insecte, feu. Non, insecte, sol. Feu. Feu. Et psy. Et psy. Ouais, c'est toutes les arènes qu'il n'y a pas eu, du coup. Bah, c'est pas toutes qu'il n'y a pas eu, mais c'est d'autres qu'on n'a pas eu. Parce que qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme arène, du coup? Y'a pas ténèbres, y'a pas vol, y'a pas normal.
En même temps, une arène normale, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Il y a des jeux où ça existe. Et ils sont souvent forts, les Pokémon normaux. Faut pas croire. Là, je vais faire quelle arène? Je vais faire l'arène Spectre. Vas-y, je vais me diriger à l'arène Spectre. Ou au pire, je fais les villes dans, en de haut en bas et je m'en... Je vois après. Bah, tu fais juste dans l'ordre de qui tu veux XP après. Vestigion, c'est l'arène quoi déjà? Tu peux pas la refaire celle-là. Ah, c'est l'arène plante? Plante. Ouais. On va faire Celestia. Celestia, c'est l'arène. Y'a pas d'arène. Y'a pas d'arène? Ah non, ouais, non, c'est vrai. Je confonds avec une autre ville. C'est Floraville. Floraville, c'est l'arène. Y'a pas d'arène. Pas d'arène non plus celle-là? Non. Il va me faire Bonville, je le sens. Y'a pas d'arène à Bonville, trop du cul. Y'en a pas à Joliberge non plus. Si, Joliberge, j'en ai une. Oui, c'est l'arène acier. C'est l'arène acier. Y'a quoi qui est fort contre l'acier? Pas la glace. Le feu. Le combat. Le sol. Ok, donc il faut que je mette Torterra à la place de. À la place de Cizayux du coup. Ouais, il y a moyen que ce soit Torterra qui doit XP. Est-ce que je lead avec Simiabraz ou est-ce que je lead avec Luxray? Ouais, Luxray, je peux l'XP ailleurs. Attends. T'as entendu comment il faut que. Comment je t'ai dit qu'il fallait XP avec les arènes? Tu mets le multi-act sur celui avec qui tu combats, hein, pas sur quelqu'un d'autre. Ah bon? Pourquoi? Et parce que ça multiplie l'XP. Tu gagnes un bonus d'XP. Ok. Et si jamais il meurt, du coup De quoi si jamais il meurt? Bah c'est... tu XP quelqu'un d'autre ou tu ressors et tu te heal, c'est toi qui choisis. Je crois que j'avais pas refait la truc acier. Moi je les ai toutes refaites, celles qui étaient refaisables. Je crois que celle-là, c'est peut-être la seule que j'ai pas faite, du coup. Après, comme tu one-shot tout, même celle-là, elle est refaisable, tu vois. Peut-être pas faire celle-là tout de suite, parce que Simiabraz, il a pas de retard d'XP. Oh, il a Crogivre. Oh, ta mère. On va aller XP Ectoplasma à l'arène, à l'arène combat, tu vois. Bah, c'est sacrément tanky, style X, by the way, hein. Ouais, ça tank, hein. Ça tank le physique, je crois, Styx. Ça tank moins bien le spécial, il me semble. Giga Sensu. Ah. Ah, Vincinus, il a le Covid. Par contre... Ah mais non, tu peux toujours pas lancer FIFA, toi. Tu peux toujours pas lancer l'appli et tout ça, ça marche pas. J'ai pas réessayé, mais... Y'a l'appli mobile qui est sortie, tu pourrais essayer l'appli mobile. Ok, je vais essayer l'appli mobile. Parce que j'allais dire, tu peux quand même essayer d'ouvrir tes packs prévisualisables. Tu sais, tous les jours, tu peux avoir prévisualisé un pack à 7500. Bon, c'est de la merde, mais sur un coup de chance, t'as quelque chose dedans, quoi, tu vois. Prévisualiser, c'est-à-dire? Bah, en gros, tu ne dépenses pas d'argent, mais tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur du pack. C'est ça, prévisualiser. Et si le pack est bien, du coup, tu l'ouvres? Bah, tu peux l'acheter. Il est bien. Même si on n'a pas encore de crédit, normalement, on a des points FIFA qui sont... Alors, pour l'instant, c'est encore buggé, tu peux pas les utiliser, mais... Parce que moi, hier, j'ai ouvert un pack, il y avait Sergio Ramos dans mon pack prévisualisable. Mais je peux pas l'acheter, le pack. Mais j'ai pas de crédit. Tu pourras l'avoir après ou pas, du coup? Bah non, parce que dans 24 heures, il se réinitialise. Donc, j'espère juste que d'ici ce soir, là... D'ici les 24 heures, on pourra dépenser nos points FIFA pour prévisualiser, parce que sinon je suis un peu baisé. J'ai un peu le seum sinon. Ils sont chiants avec leur fermeté et tout leur truc de merde là. Ouais. Bon, t'inquiète, à la première arène, c'est pareil. Hein. Y'a que des racailloux, enfin des gravalanches et des grolems et des onyx avec fermeté là. Comment ça, il a tanké? Putain, il a un bandeau. Moi, est-ce que je vais aller XP Léviator, tiens?
Quelle arène? Arène combat, t'as pas une attaque devant? Mais je suis en train de faire l'arène combat et je suis XP pas Léviator à l'arène combat. Qui XP qui à l'arène combat? Ectoplasma, parce qu'il prend pas les attaques combat. Ouais, ça... dans tous les cas, il one shot tout le monde donc. Au lieu de mettre le spectre à l'arène spectre, puisque c'est fort, j'ai mis le spectre, j'ai mis le glace à l'arène spectre hein, avec toute la logique du monde. Moi ouais, j'ai un glace ténèbres. ouais, mais je suis trop fort moi. 52. Trop smart. Alors, Perse à croc, on ira l'XP à l'arène électrique. Bien vu. Shore il a tanké. Putain, le maconnier de fils de pute. Ils me font vraiment péter un câble hein, avec leur fermeté de merde là. Bah ouais. Si c'était pas des types acier, j'irais les affronter avec double baffe par exemple, mais c'est des. C'est des types acier, donc ça sert à rien. C'est pas double baffe. Non mais. Ah oui. Ouais, legit, j'irais apprendre une attaque si ça me permet de passer les fermetés de cette arène là. Honnêtement. Ouais, niveau 51 de Simiabèze. Bah t'en as encore besoin. Pourquoi le feu c'est fort contre Stylix? Il est acier. Ah, le feu c'est fort sur l'acier. Bah oui. Et combat c'est fort sur sol. Ou combat c'est fort contre acier combat aussi. C'est fort sur acier et c'est... Et... Non pas sol, acier seulement. Et il est acier sol il me semble Stylix. Ouais. Ah ouais mais oui du coup si jamais je le one shot pas je me fais péter la gueule par contre. Parce que sol c'est fort contre feu. Ouais. C'est le risque du métier. Ah prends le multi-exp et on va mettre le multi-exp sur Simiabèze. Y'a un dresseur là-bas ou pas? Changement. C'est l'heure d'envoyer. Faire chaque croc. Et on va aller faire l'arène électrique. Allez, joué. Connard. T'as dit quoi, canard? Oh, Cizayox, c'est gentil de m'envoyer le meilleur match-up. Mon meilleur match-up, c'est le Cizayox. Ce truc pêche tout. Avec un lance-flamme, je le one-shot. Putain. Enfin, un pistolet point, il m'a enlevé 22 HP ce bâtard. Oh le bâtard! Comment ça, niveau 47? Ouais, cette arène-là, il rigole pas. Cette arène-là! C'est quelle arène? L'arène électrique. Quand tu l'as refait, les Dressler, ils ont des Pokémon vachement plus haut niveau. Bah, ils étaient déjà pas mal en niveau, c'était genre peut-être 43-44, donc. Ouais. Là du coup j'ai pas beaucoup d'avance. L'arène électrique je pense tu la refais vraiment quand il te reste que ça à faire. Hein. Y'a pas un dresseur là-bas? Non y'a pas de dresseur. Tu t'es adressé au mauvais adressaire. Je peux te goumer ou pas? Tu connais pas la... Par contre, en XP c'est génial. Tu devrais envoyer ton Torterra XP à l'arène électrique plutôt je pense. Ouais. Voilà du coup pour l'instant c'est Simiabèze qui a pris le relais. Parle bien de Simiabras, je vais t'enculer fils de pute. C'est pas lance flamme. Va te faire foutre avec ton putain de fermeté de merde. Oh je vais pas refaire l'arène acier, j'ai la flemme de prendre des fermetés en boucle. Oh non je me suis fait para. T'es paraplégique ou paralysé? Ah Simiabras est paralysé, il n'a pas pu attaquer. J'ai même pas besoin de savoir ce qui se passe pour dire ce qui se passe. Allez, on va envoyer un suicide. Triple attaque. Ça attaque trois fois du coup. Euh.
Léviator, c'est le plus bas XP, donc on va l'envoyer. Ouais, avec leur B machin qui minimise les dégâts que j'inflige alors que je les one shot quand même. Vas-y, minimise mes dégâts, je te tue quand même. Magnézone, c'est pas un foudre aussi? Alors la zone! Si, c'est électrique foudre. Électrique acier. J'ai pas lu proc son truc. Oh putain. Mauvaise idée. Oh, tu t'es pris un les canons one shot dans la bouche là. Zbr. Pourquoi TNM c'est. ATM c'est nul contre un ciel, c'est ça? Ouais. J'ai envoyé la même attaque que. Enfin, moi aussi j'ai envoyé une machouille sur un magnézone en même temps que toi, alors qu'on fait pas la même arène. J'ai pas fait machouille. Ouais, bah ta race, ok. Est-ce que je fais le prochain dresseur? Vas-y, je pense que je fais le prochain dresseur avec Simia Braz. Et je vais lui mettre un antipara. Je dois avoir ça, un antipara, quelque part. Un antiparaplégique? Antipara utilisé sur Simia Braz. Je pense que je fais ce dernier combat là, et même s'il en reste encore un après, je reviendrai. Enfin, je veux dire, je reviendrai. Je reviens pas dans l'arène, je me casse. Oh non, un Stylix! Je me demande pas pourquoi je suis parti sur un aussi. Ouais, à tous les coups, il a fermeté. Oh bah tiens, il a fermeté! On l'aurait pas deviné. De ouf. Oh, il se cache dans le sol. Alors Luxray, je crois que c'est la pire idée, mais... Tunnel, c'est une attaque roche ou sol? Pourquoi je demande la question? Allez, à toi Saint-Moré. Attends, mais mon Netoraptor que j'ai envoyé en suicide sur un électrique, il a failli one shot un Luxray avec 3 niveaux de plus. Putain. Allez, tranche nuit. Ça n'est pas très efficace, je m'en fous, il a un HP. Le 6 ennemi est KO, Simon Braz a gagné 1297. Tiens, et là, à l'arène électrique, gros, tu prends des plus 2000 d'XP à chaque Pokémon battu, c'est incroyable. Blizzard éternel. Pardon. J'aime beaucoup la ref. Raichu. Ichu de quel dessin animé? Moi je pense que tu refais un peu vite fait quelques arènes et puis tu retentes la ligue. Ouais ouais. Ok, nice, j'ai passé son Stylix. Bon bah là c'est le bon moment pour revenir en arrière. Acrobatie. C'est une attaque à... C'est... Ah c'est vol. Vol physique. Ouais mais le mien il tape sur le spécial. De toute façon c'est pas une très bonne attaque hein. Sacré dérouillé, et il a failli me terminer, il se fout de moi lui. Écoute, il est fair play hein. C'est pas parce que t'es un enfant que t'as le droit de me donner que 300 Poké-Dollars quand je te bats. Oh le rat. Oh, l'enfant c'est un rat, je suis d'accord. Ah t'es en mode, eh vas-y, à bout de la moula gros. À bout de l'oseille, fils de pute. Eh vas-y, pas ta pute. C'est pas ta pince là, vas-y. Eh vas-y, fais péter wesh. L'arène spectre c'est... Union police. C'est l'union de la police. Ok. Mais que fait la police? Je crois que Scizahawk c'est plutôt pas mal dans contre ça. Ce qui est fort contre... Ah non, non merde, putain je confonds. Spectre c'est fort contre quoi déjà? Spectre c'est fort contre... Spectre. C'est tout?
ils prennent pas les attaques physiques. Tu m'as demandé Spectre, c'est fort contre quoi? Spectre, c'est fort contre Spectre. Ouais, non, mais qu'est-ce qui est inefficace contre Spectre? Par exemple, les attaques combat, par exemple. Combat normal, c'est inefficace. Contre le Spectre, c'est bien le Psy, c'est bien le... Le Ténèbre. Le Ténèbre, c'est bien le Spectre. Et c'est tout. On va envoyer Saint-Mauré. Putain, j'ai... Ah, le multi-exp était sur Simiabra, je suis sûr. Non, c'est pas marrant. Rends-moi ce multi-exp. Est-ce que tu lui montes tes seins, Mauré? Berserkrock est envoyé par Sky Chewbacca. Donnez-moi un Chewbacca. Donnez... C'est quoi comme Pokémon, Chewbacca? C'est un Pokémon de type poil. Un Pokémon de type poil. Un feu faux rêve. Ça, c'est mignon, feu faux rêve, mais... Enfin, le nom est marrant, mais je trouve qu'il ressemble pas trop à un feu follet. The Watcher... je sais quelle version on va faire. Je sais pas si tu... on avait pas commencé le game sur noir et blanc. On avait fait rouge. On avait fait rouge. Donc je te préfère une version noir et blanc parce que j'ai envie de la refaire de toute façon. C'est ma version préférée. Enfin, okay. Ma version préférée. Oui et non, mais je la kiffe. Moi j'avais kiffé, j'aimais bien la version rouge parce qu'il y avait Dracaufeu comme starter. C'est quoi les starters de noir et blanc du coup? Gruy, Cui, Moustillon et Vipélière. Donc je suppose que le premier c'est le feu, le deuxième c'est l'eau et le troisième c'est plante. Ouais. C'est quoi leur évolution finale? Roi Tiflamme, Clamiral et Majaspic. C'est marrant, mais leur nom me dit rien du tout. Il y en a un qui a flamme, donc voilà, mais les autres... Majaspic, je crois qu'il est plante dragon. Oh! Et... Y a moyen d'avoir des dragons dans un truc ou pas? Oui. Oui, c'est une version, il y a plus de dragons que dans celle-là, par exemple. Non, celle-là, moi, je sais que si on fait noir et blanc, je prends un dragon, tu vois. En vrai, moi, je serais chaud un jour ou l'autre de faire un truc à la con en mode genre une équipe full dragon ou full dragon-like, tu vois. En mode genre Dracaufeu, c'est pas un dragon, mais il ressemble à un dragon, donc Osef, tu vois. Ah, mais c'est pas possible parce qu'il faut mélanger des versions, donc faut tricher, c'est pas intéressant. Ouais. Ou alors, faut faire une aventure sur plusieurs régions en mode on change et... Ouais, tu sais qu'on peut prendre un bateau et changer de région, là, si on veut. En soi, y aurait moyen de faire des trucs drôles. Ah, merde. Je vais pas récupérer le multi-exp, il me semble. J'ai perdu, c'est la mauvaise porte. J'ai l'impression que la première fois qu'on voit dans ce bâtiment, il y a plus de dresseurs. Quoi? Mais j'avais pas fait cette porte. Mais ça se réinitialise quand tu te trompes de porte. Hein. Non, c'est le même. Non, mais j'ai dû prendre deux fois la même porte. J'ai cru que j'avais pris la porte de droite alors que c'était celle du milieu que j'avais prise. Espèce de sgeg. Un ectoplasgeg apparaît. Parle bien d'ectoplasma, je vais t'enculer, Philippe. En vrai, je trouve que Fantominus a plus de flow qu'ectoplasma. Non. De fou. Il a un turbo troller. Il a un flow ectoplasma là avec son sourire de narco là. Ah ouais, j'aime bien la couleur pour le coup. J'ai l'impression qu'il veut violer un enfant. T'es mis bien ou pas là? De ouf. T'as mais Baudrif, c'est affligeant comment c'est moche ce truc. Son évolution encore ça va. C'est quoi l'évolution de Baudrif? Gros Drif. Mais attends, tu vas en affronter là dans les dresseurs, y'en a qui l'ont. Oh, j'en ai sûrement déjà affronté hein, mais bon. Oui, je pense que tu t'en rappelles. C'est psy ou autre chose ou seulement psy?
pratique quoi d'en haut? Oh, un motisma. Il disait, est-ce que il est que psy Baudrive? Non, il est spec déjà et vol. Ah bah voilà gros drive. Oh t'es relou. Le gros drive ennemi est KO. Merde, c'est vrai que j'ai oublié que... Pas trop difficile de marcher dans les ténèbres. Bah quand je vais t'envoyer mon Pokémon TN dans la gueule, tu me diras ce que t'en penses. Magirev, c'est presque un Pokémon que j'aurais pu jouer en vrai, il a un petit style. Magirev, il est spectre et vol ou juste spectre? Non, il est que spectre, Magirev. Il flotte parce que c'est un fantôme, mais pas parce que... C'est quoi corps maudit? Quel genre de... Ça met ta capacité sous entrave. Ah, ça c'est chiant. Gros drive. Pas que pour le combat, après. Gros drive, je peux lui mettre de la glace. Oui, monsieur. Blizzard. Je prends pas des dégâts de contre-coup ou une connerie comme ça? Non, Blizzard c'est juste une attaque qui tape fortement. Et qui a que 70 de précision. Et qui a une mauvaise précision. C'est quoi l'attaque avec la moins de précision que tu connaisses et qui a un minimum d'intérêt? C'est une stratégie comme une autre, mais il n'y en a pas qu'une. Mais bah moi, celle que je connais le plus pour l'avoir vu le plus souvent, c'est Glaciation. Glaciation, si tu touches ton adversaire avec l'attaque, tu tues. Ça one-shot, peu importe. Tu one-shot forcément. Efficace, pas efficace, tout ce que tu veux, ça one-shot. Ça a 30 de précision. Ça peut être très intéressant. Genre quand t'affrontes un Pokémon que tu sais que tu peux pas battre. Ouais. Ça pourrait être une strat hein, pour la ligue. De tenter... parce que tu sais que ce dresseur-là, tu le passes pas... tu one-shot pas son Pokémon, machin. Et bah t'envoies une glaciation. Enfin, il y a glaciation en type glace. Après, il y a Empalcorn. Moi j'ai même ramassé l'ACT, je l'ai dans l'ACT, je sais pas si toi tu l'as ramassé, normalement oui. Donc en Palcorn c'est le même principe. Abîme c'est une attaque sol et qui a le même principe aussi. Ok. Et je crois que c'est tout. Et du coup par exemple pour Abîme tu peux pas l'envoyer sur un type vol quand même, tu vois. Ce qui est logique, parce que du coup c'est... il est pas affecté. J'ai trollé, j'aurais dû utiliser ça. C'est vrai que du coup, moi, je pourrais essayer d'apprendre une attaque comme ça pour essayer de clutch. De toute façon, tu dois refaire un essai sans XP. Enfin, avec plus d'XP que l'autre fois, 100. Et si tu vois que ça passe pas à pas grand-chose, faut tenter quelque chose. Ou faut re-XP. De toute façon, on peut pas XP plus haut que niveau 62. Si niveau 62, t'arrives toujours pas à passer la ligue, c'est que c'est toi le problème, après. Ah ouais, bon, l'XP, ça a bien des minutes, mais bon... À un moment donné, zut quoi. Je pense que je vais peut-être genre refaire l'arène au Vitzef. Non, tu sais quoi, vas-y, j'ai envie de retenter la ligue maintenant. Regarde si tu peux pas monter un niveau ou deux sur quelques Pokémon et claquer des super bonbons au moins. De toute façon, ils servent qu'à ça, donc autant les utiliser. Il faut regarder qui est-ce qui est en début de barre ou qui est-ce que tu peux terminer un niveau et faire level up. Vois-tu ce que je veux dire? J'ai étudié un peu. Juste faire ça quoi. Quand, ah oui d'accord, donc bah Dimoré par exemple il vient de passer un level. Cisaillox, tu peux lui en lâcher deux, il a la moitié. Ouais, donc ça c'est pas rentable. Léviator, c'est non. Ouais, t'es même pas niveau 50 sur Léviator, tu peux pas faire la ligue là, tu passes jamais. En fait, tu peux peut-être passer 2-3 dresseurs, mais tu passeras jamais tous et surtout pas la championne.
Je vais garder Singa Braz. Ouais, si je peux en passer un ou deux, c'est déjà huge. Après, je me concentre juste sur Léviator. Fais comme tu veux. Juste que après, oh, moi, quand j'aurai fini, je vais attendre pendant 2 heures, ça va me faire chier. Singa Braz, il est... Il vient de passer un level. Ah, tu peux peut-être lui en faire monter 2-3 d'un coup, là, facile. Avec 9 super bonbons, tu peux te permettre de placer 3-4 sur les deux qui viennent de passer un level, je pense. Grincement. Ça a l'air d'être une mauvaise idée. Que les Léviator que j'ai pas XP, moi. Ouais, non, grincement, c'est une mauvaise idée, clairement. Ah, faut battre les 4 à la suite. Bah oui. Je pensais que genre tu pouvais les battre un par un et que c'est... Ah non, faut perdre sinon. Ok, ok. Mais pour le coup, j'ai jamais perdu contre le premier. Hein. Ah bref, pour le coup, ton Simiabras était beaucoup plus XP que le mien. Je m'en suis pas servi. Et Adri, ta gueule. En vrai, si je savais que c'était Yann Mega son premier, j'aurais pu... Il a mis Yann Mega parce que... T'as mis Simiabras. Hmm. Oh, tu chattes déjà, par contre. Quoi? C'est attaque de prio, ça? Il a fait quoi? Lame d'air? Non, ouais. Bah du coup... Ah non, mais il a pas turbo? Non, bah non, il a ceinture force. Non, mais en talent, t'as pas vu turbo? J'ai pas vu. Je pense qu'il a turbo. En gros, son talent, c'est à chaque tour, sa vitesse, elle augmente d'un cran. Donc, du coup, s'il a proc turbo avec son talent, il t'a outspeed sur le... Drascor, c'est quoi? C'est insecte sol? Insecte poison. C'est quoi qui est bien contre poison? Sol. On va Torterra, let's go. Ouais, on va TP à la ligue. Poison, c'est fort contre plante. Ouais. Mais c'est pas fort contre sol, donc du coup c'est neutre sur toi. Ouais, mais moi du coup par contre je vais utiliser mon attaque sol. Putain, c'est con ce que je viens de faire. On va voler là du coup. Ah, si j'ai pas mon Castorno avec, je ne peux pas faire ça. Ils sont tous tellement rapides ces Pokémon à lui. Scarigno, c'est insecte acier, il y a le feu qui est fort sur l'acier. C'est insecte combat, Scarigno. Ah ouais. Qu'est-ce qui est fort contre le combat, le psy? Vol et psy. Contre insecte, il vaut mieux pas mettre un Pokémon psy, mais de toute façon t'as pas de Pokémon psy. En vrai il est burn en plus, donc ça va. Normalement il devrait pas taper trop fort comme il est burn. Ah, il a lame de rock. Et B. Ça clique fort. Hein. Oui. Oh, t'as crit. Et tu chattes de ouf sur ton combat là. Ah, Pyrène. C'est du vol la Pyrène. Ah. Je crois pas qu'elle vole. Ah, t'as raté ton vent violent, c'est terrible. En vrai, j'hésite. Mais putain, ta mère la... Ah, si tu mises tout, c'est par contre, c'est...
En vrai, je crois que je le fais. Je vais tenter ça. C'est ma strat pour passer le mec que j'ai pas passé l'autre fois. C'est quoi? C'est, je vais utiliser l'attaque prélèvement du destin. Et ouais, j'ai mis 0 dégâts en super efficace, j'ai plus de level. C'est quoi sa tankiness, salope pute? C'est tanky, Pyrène. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était le pire move. Qu'est-ce qui était le pire move? En gros, j'affrontais un Etoraptor et je lui envoie une attaque et il tanque l'attaque. Et du coup, il lui reste un HP. Mais par contre, il est empoisonné et il a utilisé Evol. Du coup, il s'est envolé et il est mort dans le ciel avant de retomber. Mais sur le suite parce qu'il a un level de plus? Non, parce qu'il a utilisé piste au point. Ah, là, oui. Il va utiliser piste au point, donc tu vas te faire outspeed. Donc, si tu veux passer le combat, faut te heal. Sinon, tu l'acceptes la défaite. Mais là, il va utiliser piste au point, t'as outspeed et gagné. Donc, lol. Oh, il avait tout juste les dégâts pour tuer en plus. En vrai, j'ai choqué, genre j'ai utilisé à un moment donné, j'ai utilisé un pistolet point au lieu d'un close combat et c'est ça qui me fait que j'ai pas pu le battre. Prochain dresseur, c'est le dresseur qui déjà? Sol. Qu'est-ce qui est fort contre Sol? Eau, glace. Eau et électrique. Glace. Électrique fort contre Sol? C'est-à-dire que tu enchantes, toi? Ça tape pas. Un hippodocus. C'est moche ce truc. Tous les Pokémon ouais. Qu'ils ont, c'est les Pokémon que tu peux trouver dans cette version ou pas? Ouais. Tempête de sable. Est-ce que je dois le tuer en 3 coups? Heureusement que des Pokémon ils en ont 5 et pas 6. La championne faut se la taper dans la foulée ou pas? Bah ouais. Ah oui. Effectivement, il y a peu de chances que je me fasse la championne. Si t'as la chance d'arriver... Franchement, si t'as déjà la chance de passer le combat feu après, ce sera déjà quelque chose de bien. Oh! Scorvol, c'est quoi? C'est... Je sais pas. C'est pas vol sol, quand même. Ça me paraît très bizarre. Ah, c'est vrai qu'il y a l'impression que le machin, il vole, mais... Mais je crois qu'il vole. Hein. Ah! Ah, GG pour ton crit, frérot! Ouais, c'est les risques, malheureusement. Allez! Il y a 5 rhinophéros face à moi.
Team Abrash level 56. Rina stock, qu'est-ce qu'il est stock? Ah lui ouais. J'ai pas le one shot parce qu'il va tout tanker, c'est ça? Je mets même pas mid life. Ah. Non ça c'est sa meilleure attaque en plus, il va tout one shot avec ça. Il tank le physique lui plutôt ou le spécial? Je crois qu'il tank tout court. C'est en dualité, ce moment de l'attaque la défense de 1. Est-ce que je tenterai pas une malédiction? Tu devrais tenter de te placer parce que je pense qu'il y a que ton Torterra qui tank et au pire tu fais un méga sensu, enfin un giga sensu pour te heal ce qui prend comme dégâts. Même si ça, même si giga sensu du coup c'est ça counter entre guillemets, enfin ça counter, ça, ça va pas dans le sens de malédiction. Oh, remet une malédiction du coup. Ah ouais, big. De toute façon, il peut pas TOS. À part s'il a une attaque que je connais vraiment pas et Avalanche, c'est de la glace. Après, tu tankes normalement. Ouais, largement. Je pense que tu fais un giga sensu et tu vois. Ah, tu plante, c'est fort contre sol. Ouais. Ok, nice. Oh, nice. Bah, je pense que là, vu comment t'es placé, le problème c'est que du coup, tu te fais outspeed par tout le monde. Mais si ta vive griffe elle passe, je pense que tu one-shot deux fois. J'envoie marteau bois ou giga sensu? J'envoie un gros marteau bois dans sa bouche. Bah en fait t'as boosté ton attaque donc c'est pas giga sensu qu'il faut envoyer. Ouais, giga sensu c'est vraiment quand j'ai besoin de sustain quoi. Yes. Ça a réduit les dégâts infligés mais je l'ai quand même one tap. Oh mais... Oh, oh le contre-coup il est sévère. Il a pris x4 en même temps. x4 avec plus 2 en attaque, hein, donc j'espère bien que tu tues. Est-ce que je tente le séisme? Pourquoi le séisme c'est fort contre Grolem? C'est un roche? Il est roche sol. C'est très efficace quand même du coup. Bah sol c'est neutre. Ah oui c'est vrai, tu m'as déjà expliqué ça. Bon vas-y on va tenter de faire un séisme. Oh! Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je meurs ou pas? Ouais. Dommage. Et t'es burn, donc du coup, ton attaque est divisée par deux. On va redonner les titres. Allez, pisto poing! C'est vrai que du coup, j'ai une double faiblesse au feu. Le feu, il va être super dur à passer. Je pense que tu le passes pas dans l'état actuel. Hein. Ouais, parce que mon Léviator est trop dans la sauce. Toi t'as raté des super bonbons parce que moi j'en ai 13. C'est possible hein. Si c'est des items cachés, il y a vraiment des moments où j'ai pas passé sur mon temps à trouver des items cachés. Plasma niveau 59. Je pense que la tech c'est d'envoyer Torterra en premier, en mode Torterra, et je l'envoie faire un maximum de kills. Ouais. Genre si il a le temps de caler un petit séisme ou quoi. Bah le problème c'est qu'après tu prends pas bien le feu quoi. Bah de toute façon je sais que Cisa avec Célie se font enculer par le feu donc on verra bien. Ah il a envoyé Simia Braz, je peux peut-être le one tap du coup. Je pense pas que tu le one tap. Oh nique ta mère avec ton bluff. Oh, toi. Oh il bluff ce chien de la casse. Ah il me one shot pas. Et il te one shot avec un bout de feu, non? Non, 5 HP. Ouf. Et moi je le tue. Tu parce qu'il y a le contre-coup. Bon bah c'est parti. Je retente la ligue. J'ai tous mes Pokémon mini niveau 55. J'en ai un 59, un 58. J'aimerais bien avoir une attaque de Prio, mais je sais que j'en ai pas là. Putain, la griffe. Ah, mais c'est parce que j'ai pas la griffe. J'ai voulu lui remettre la griffe. C'est peut-être ça qui va me faire que je passe pas du coup. Ça c'est du troll hein, je dois pas avoir remis la vive grive. Est-ce que j'envoie Léviator tout de suite? Ou est-ce que j'attends? Ah tu peux pas le placer ton Léviator. Si, je crois qu'il y a une attaque de placement. Je crois que si tu cliques droit tu peux faire résumer. Bien. Non. Ah non, j'ai pas d'attaque de placement.
On va surfer alors. Ah, il a tonnerre. Ah, merde. Mais j'allais... C'est dommage que tu m'attends pas, mais... Non, mais j'ai misclick en fait, je voulais pas. Je me suis trompé. Parce que j'aurais dit, il faut pas le mettre sur Maganon. Ouais, non, bah non, mais de toute façon, j'ai double trollé là-dessus. Mais en soi, là, ça se passe pas trop mal, à part ce côté-là. Maganon c'est fort quand même. Hein. En vrai, vu les Pokémon qui me restent, il y a très très peu de chances pour que je passe. Surtout si je me fais outspeed. Oh, j'ai raté mon Fatal Foot, c'est terrible. Oh, j'ai évité mon Fatal Foot, c'est terrible. On a tous les deux raté Fatal Foot, c'est terrible. Oh merde! En fait, tu sais que c'est le feu qui va te poser problème pour l'instant. Ouais. Bon! À toi, Saint-Mauré! Ouais, je suis en train de me faire karma en fait. Pourquoi t'arrives pas à passer le feu? Non, je suis sur l'insecte là. La dernière fois, je l'ai passé facile et là, il y a un de ces Pokémon, il est en train de one-shot toute ma compo. Ça va être du 3v3, je crois que je vais envoyer Ectoplasma. Oh, un Pyroli. Ah ouais, merde, j'ai un capté, j'ai triple faiblesse aux flammes. Cizayox, Torterra et Zimoré. En vrai, genre, si j'ai pas Léviathan level 60, je passe pas en vrai. Envoyer un bout de feu, hein, y a pas le choix. Attends, j'ai pas tué avec bout de feu. C'est une catastrophe. C'est une défaite. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, le. Non, mais Adrien, vas-y, ça me casse les couilles, t'es trop fort, wesh. On va t'entraîner, bâtard. Ouais, là, mon Léviator, faut qu'il XP sévère. Tu dois XP ton Léviator et tu dois utiliser quelques bonbons, je pense, sur ton Torterra, parce que je pense que c'est lui qui doit te clutch, donc il doit avoir de l'avance en IV. C'est quoi le meilleur endroit pour faire XP Léviator, à part l'arène combat? Bah, en vrai, juste en dessous, dans la route victoire, je pense. Je pense. Ouais. Je la prends par en haut. Bah tu peux la prendre par en haut ou par en bas, ça change pas grand chose. C'est parti. Qui reste sur le Teco du coup dans la grotte, c'est quoi qui pue la merde? Luxray en vrai. L'électrique, ouais. Après tu peux tomber sur Ténosphère Alto, mais bon. Ah, vu que je vais pas envoyer Michou en premier, ouais, je sais pas. Bon, je l'ai passé le type insecte, mais avec un seul Pokémon en vie. La dernière fois, il m'en restait 3. Alors comment expliquer ça, sachant que j'ai plus XP que l'autre fois? Alors la question, à 200 000 balles, avec qui je lead? Simiabras contre le sol, et je fais un demi-tour, j'aime bien l'idée. Un mi-Grolem, un peu chiant Grolem.
Ouais, c'est trop smart la strat que j'ai avec mon Simiabras. C'est quoi ta strat? En gros, je lead tous les combats avec Simiabras parce que mon Simiabras il a demi-tour. Et du coup, comme il a outspeed tout le monde, je fais demi-tour et je m'adapte à ce que je vais affronter. À ce qu'il a mis comme lead pour mettre le Pokémon qui tankera le mieux. Et ça marche du tonnerre. Hein. Le Scorvol il tanque un laser glace. Non. Si. Non, il tanque pas. Ok, nice. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur endroit pour XP Léviator. Je t'ai pas parlé des dresseurs par contre, je t'ai parlé de juste la zone. Hein. Ah. Mon mauvais. Givrali, j'ai placé Givrali, je pense que je peux finir le combat avec. Bon, lui, il doit avoir au moins un truc pour tanker le one shot. Ah non. Il reste plus que Hippodocus. Givrali, il aura un V5. Vive les attaques de placement, c'est broken. Voilà. Quel genre d'attaque qui tout double je pourrais apprendre? Bah, pour regarder s'il y a des Pokémon qui en apprend une déjà avant de se poser ce genre de questions. Parce que c'est pas dit. Hein. Parce que pour le coup, Cizayuk, je sais qu'il se fera one tap dans tous les cas dans l'arène feu. Du coup, je tenterai bien un clutch avec. Je crois pas qu'il puisse en apprendre une, lui. Y'a aucune attaque acier qui peut faire tout double. Non, non, non. Cherche hein, les attaques. T'as qu'à chercher. Hein. Regarde toutes les attaques qu'il apprend et tu verras. Mais... Pour moi, il en apprend aucune. Bon. Au type feu maintenant. Adrien contre Adrien. Brass, demi-tour face à son Galopa, bang bang. Et j'envoie. Alors qu'est-ce qu'il va me faire comme attaque là? Demi-tour c'est combat ou feu? C'est insecte, demi-tour. Une attaque insecte sur Simiabras. Alors c'était pas le meilleur swap de ma vie hein, celui-là. Et je tue pas le Galopa là? C'est problématique quoi. Mettez les cartes. Ah c'est vrai que glace c'est fort contre dragon. Et c'est x4 sur dragon sol. Hein. Retiens ça parce que la championne de la ligue elle a un Karchakrok et du coup faut que t'aies ton Dimoré en vie pour mettre un... Un one tap. Un Charmina. Charmina c'est combat non? C'est combat psy. Ah elle casse pas les couilles. A ton tour Saint-Mauré. Ok, c'est le moment. C'est le moment de faire le move le plus facile pour gagner. Tu spam la même attaque en boucle? Non, mieux que ça encore. Ça s'appelle Danse Draco. T'en fais encore des cauchemars, je suis sûr. Hop. Et en fait, il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent se jouer soit sur le physique, soit sur le spécial, mais j'ai pas l'impression que globalement le physique reste quand même meilleur. Non. Il y a des Pokémon qui sont tellement forts sur le spécial, c'est abusé. Je dirais même que les Pokémon qui sont forts sur le spécial, ils ont une stat en spécial beaucoup plus élevée que les Pokémon qui sont forts sur le physique. Je te parle parmi ceux qui peuvent se jouer sur les deux. Hein. Bah, en vrai, il y en a pas beaucoup qui jouent vraiment sur les deux. Hein. Il y a Simiabras, il y a Luxray, il y a... Simiabras, je suis
pas trop pour l'idée qu'il se joue sur le spécial, mais bon. On a coup, les attaques physiques qu'il a, elles sont meilleures. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça, du coup. La reine roche, c'est la... C'est Charbourg. Ouais, bon, il y a que deux dresseurs à affronter, hein. Tu vas pas XP grand chose. Mais j'ai toujours ça de près. Ouais. Non, ça, c'est le centre Pokémon, ça. Je sais pas pourquoi tu galères face à l'Adrien, moi je le déboîte. Attends, il est con, level combien ton Léviator? Hein, je l'ai pas utilisé. Non, là je mentirais parce qu'il a one shot 4 personnes. Non, 3 personnes. J'en ai tué 2 avant avec 2 Pokémon. J'ai fait du 2 pour 2 avec mes 2 premiers Pokémon et ensuite j'ai placé Léviator. Hop, il me reste plus que là où j'ai échoué la dernière fois. Mais cette fois-ci, je possède la stratégie. Stratégie, c'est Léviator Broken ou c'est encore autre chose? Non, ça va être un suicide d'ectoplasma pour qu'il tank l'attaque qui one-shot. Enfin, pour qu'il suicide le Pokémon qui one-shot. Je vais l'emmener au tapis avec moi en fait. C'est un talent ou c'est une attaque que t'as qui permet de faire ça? En gros, s'il me met KO pendant le tour, et ben je l'emmène avec moi. T'as mis ça sur qui? Sur Ectoplasma. Ectoplasma se fait péter par Epsi? Oui, il est spectre poison, il prend x4 par Epsi. Ah oui, Ectoplasma, oui. Ah, il m'a outspeed. Bon bah désolé, Givrali, je t'ai tué. Pourquoi Givrali? Ah. C'est lui que j'ai mis et je pensais pas de me faire outspeed et du coup il est mort. J'aime bien parce que j'utilise demi-tour normalement pour swap, mais en fait demi-tour ça a tout shot mon adversaire. Bon, vous voyez, je carche à croque, je pense. La fermeté, ça casse les couilles. Et la fermeté, ça casse les couilles. Ok, il envoie déjà son à la casa. Tellement chiant à XP les Pokémon, oh bordel! Mais mon Karchakrok il tombe bien à la Kazam! À la Kazam! Attends, mais je vais le passer comme ça là cette fois? Bon bah, mon Karchakrok a tué son à la Kazam alors que la dernière fois la Kazam a tout clean up! Ah, Léviator est mort! Bon bah, du coup, j'ai passé le plus dur déjà. Ah oh, putain, il a lévitation, j'avais oublié. Ouais, s'il y a un truc à redire sur ma compo, c'est ma faiblesse face aux flammes. La ville combat, c'est... Voilà Rock. Voilà Rock. Je disais bien que c'était une à la droite. Ah, je l'outplay sur outplay avec mes swaps, c'est abusé. J'aurais dû jouer plus stratégiquement la dernière fois quand je vois que ce combat-là, je le fais facilement maintenant. J'y crois pas que c'est le premier qui m'a donné le plus de difficultés, quoi. Putain, c'est vrai que son monsieur Mime il a tonnerre. Tellement pas probable. Bon bah, rip Léviator. Allez, on va envoyer Ectoplasma. Finalement, c'est Elecap qui aura pas combattu. Bye bye, monsieur Mime. Ectoplasma niveau 59, ça rigole pas. Je pense que Léviator, tant qu'il est pas au moins niveau 57 et encore peut-être plus. Ce sera quasiment possible pour moi de passer de passer Adrien. De passer le mur d'Adrien.
C'était le moment. Le combat face à Cynthia. Le problème, c'est que je suis tellement en retard par rapport à toi, parce que je pense que je vais... Il faut vraiment que j'XP ce putain de Léviator de merde. Ok. Quand même, comme ça, alors, je suis pas sûr. Alors, envoyez son Karchakrok tout de suite. Faut que je suicide Léviator, je pense. Son Karchakrok va plus vite que moi. Elle ah bah, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. C'est juste perdu, en fait. Elle va one-tap tout le monde avec son Karchakrok. Ah ouais, son Karchakrok va vous speed toute ma combe, donc... Oh, il a raté. Oh, il a raté déflagration. Et je l'ai one-shot, Givrali, je t'ai. Givrali, le dieu. Bah, il a one-shot mon Simiabras, son Karchakrok, c'est pas très drôle, ça, par contre. Il va faire une attaque combat, là. Donc là, je switch Ectoplasma. Elle a un type de prédilection ou elle joue une compo non, classique? Non, elle a une compo classique. Elle a un truc équilibré quoi, comme Enzo. Ouais, exactement, ouais. Elle a 5 ou 6 Pokémon? Elle en a 6. Ouais, c'est vraiment le boss final quoi. J'ai pas envie d'envoyer un autre vent violent parce que je sais qu'il va le rater. Y'a pas moins de reset les probabilités. Ah, les probas conditionnels sont pas avec moi. Ah, je savais pas qu'il avait point éclair, Lucario. Oh là là. Oh là 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 là. C'est l'attaque de Prio, le point éclair? Non, mais il m'a outspeed et il m'a one shot mon Léviator du coup. C'est pas un Pokémon foudre, enfin tonnerre, non? Hein? Lucario, c'est quoi déjà? C'est. Des combats à acier. Ah oui, d'accord. Il a une gueule de Pokémon ténèbres. Ça yeah! Ah, le point éclair! Allez, faut pas rater ton vent violent, mon pote! Fils de pute! Elle me. Mais je me fais outspeed par tout le monde! Bah, je dois tenter me placer en espérant qu'il m'outspeed pas. Il m'outspeed, c'est foutu. Il me touche shot 100%. Oh, je me fais pas touche shot. Putain, c'était que le deuxième dresseur, lui, il en reste encore deux. Ouais, vas-y, je vais me heal. Toi, tu l'as XP comment ton Léviator? Lui, j'ai calé les super bonbons. J'avais pas vraiment leur. La foi de l'XP. Je te comprends. Mais en fait, le problème des Pokémon de Cynthia, c'est qu'ils outspeed toute ma comp, alors qu'ils ont moins de niveau que moi, je comprends pas. Il me reste plus que 2 Poké, lui en reste 3, donc je pense que c'est foutu. Ouais, la griffe pourrait être déterminante du coup. Ils sont level combien les Pokémon de Cynthia que je me marre un petit peu? Entre 54 et 59, je crois. Oh, ça fait... Tes Pokémon, ils arrivent à matcher en level avec eux? Bah, ils matchent en level, les miens, là. Parce que bon... Un Pokémon ennemi contre deux, contre deux Pokémon. Je sais pas comment je fais. Après, il me reste Ectoplasma, hein. Et toi, que Luxray, qui était mon meilleur Pokémon à un moment donné, il est que level 53 maintenant. Mais ça va, Luxray, c'est pas le plus dur à XP. Karateka Luka. Oh, il a pas raté double Fatal Foudre et les câbles. Quel prince. Il me reste toujours mon Elecable et mon Ectoplasma. Il lui reste son dernier Pokémon. Allez, Adri. C'est quoi son dernier? Togekiss? Ah, il m'a outspeed aussi, non? Non, il m'a outspeed pas. Est-ce que je tue Togekiss? Avec un tonnerre? Non, je le tue pas. Par contre, je l'ai paralysé. Il est para. T'as réussi la reine, non? Non. Il me tue. Ah, il me tue pas? Fatal Foot? J'ai passé 3 Fatal Foot, c'est bon, c'est gagné.
J'ai même pas utilisé ectoplasma. Et j'ai utilisé aucun heal. Je me suis pas soigné. Ah, t'avais dit que si tu utilisais un heal, t'étais une salope. Ouais, je l'ai dit à Dédé. Je l'ai encore dit hier. Bah, WLP, du coup, je sais pas ce que tu vas faire en m'attendant. Parce que moi, je vais prendre au moins encore 2 heures, je pense. Ouais, je peux t'en... au pire, je t'envoie un Léviathan niveau 58, hein. C'est un peu de la triche, ça. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, mais si, je crois qu'il y a la finale des EU Master. Je sais ce que je vais faire. C'est quoi le bail, du coup, je t'envoie un message quand j'ai fini. C'est vrai que c'est à 18h la finale des EUM. Non, c'est maintenant là, la c'est... première game elle a commencé. Ah ouais? Ouais. Ils ont dit la merde chez Solar, ils ont dit 18h. Là c'est 17h. Oh non, Ricker il va mourir, il va se faire first blood. Ah non, c'est bon. La finale des EUM, du coup, c'est franco-français ou pas? Non, non, c'est espagnol-français. Et le DLC ils ont perdu? Ouais. Oh les nulos quoi, ils ont perdu. Ils étaient nuls à chier. Oh, ils ont perdu contre l'Espagne quoi, non mais imagine. Imagine, tu perds contre l'Espagne, non mais allô quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a... Putain, il y a des joueurs connus de la LFL en fait qui jouent chez Heretics. Le top et le jungle, c'est les joueurs qu'on connaît en LFL. Et après, ils ont leur ADC, c'est Jack Spectra quoi. Celui qui était censé jouer chez... chez Carmine avant qu'ils aillent chercher avec Les. Mais je dis bien que son blaze me dit quelque chose à Jack Spectra. Je me posais une question, actuellement on a accès à combien de versions de Pokémon? 5 sur Pokémon. Y a pas moyen de faire un bail en mode un Pokémon par région? Non. Psychopathe. Non, parce qu'il faut se dire qu'il faut tous les acheter, il faut être psychopathe, faut avoir fou l'argent, c'est un cas d'intérêt. Milobellus? J'ai jamais vu ce truc là avant. On avait vu sa sous-évolution. Attends, tu vas plus monter. Hop là. Non, j'ai mis Slick. Ok, non, c'est bon. Ça. J'ai pas mis Slick. Il est mort. Oh là là. Ricker, tu troll.
T'imagines que mon plus haut level ectoplasma qui était niveau 59, il a même pas combattu. C'est marrant ça. Putain, comment tu pues le seum, c'est... Non, c'est pas vrai. Je quitte ton stream immédiatement. Oh ouais, j'ai grave le seum, parce que je sais que ça va me prendre au moins 2 plombs et demi pour passer la ligne. Du coup, t'as fait quoi? T'as quitté le jeu? Ouais, c'est bon, j'ai quitté. J'ai passé toutes les cinématiques à la con, là. Bah, de toute façon, je pense que tu dois trouver quel Pokémon à chaque fois tu peux placer pour chaque truc. Et contre Cynthia, faut que t'arrives à te placer aussi, mais ça, ça va être dur, par contre. Pour le coup, je me suis placé et j'ai tué qu'un seul Pokémon en me plaçant, donc c'était pas un placement rentable. Ouais, je vois. Mais bon, tu vois, au final, j'avais un Pokémon niveau 59, j'ai même pas eu besoin de m'en servir. Mais par contre, j'ai bien joué des swaps et tout ça. Sinon, alors, ça j'ai une question, ton Simiabras, il est level combien? 55. Non, 56. Mais après, c'est pas... C'est... Tu peux pas utiliser cette info comme utile, puisque on n'a pas le même Simiabras du tout. Ou non, mais c'est pas pour ça que je demande, c'est pour le côté, j'envoie une attaque et je change instant. Alors oui, ça marchera pas. Spécial le tien, donc c'est pas aussi utile, mais peut-être que si tu peux te passer d'une de tes attaques, demi-tour, ça peut être une stratégie comme intéressante. Ou peut-être que t'as quelqu'un d'autre qui peut apprendre... Après, t'as changé clair, toi, tu devrais jouer autour de ça. Ah sauf oui, c'est, contre c'est le... pour ça. C'est... Sauf contre le dresseur sol, par contre. Ça, c'est, tu pas. C'est pour ça que je dis ça. Erdot. Erdot, frérot. Oh, mais double esquive, ta mère, la chouin, wesh. Luxray, frérot, réveille-toi. Ricker, oh là là, ils sont en train de troller BDS, là. On va quand même pas concéder un EM aux Espagnols, merde. BDS, ils ont battu Vita, non? Hein, Adri? Hein? BDS, ils ont battu Vita? BDS ont battu Game World. Game World. Tu penses que Game World aurait battu Heretics? Ah non, mais bah attends, BDS, ils ont battu les deux, ils ont battu Vita et Game World en fait. BDS a joué que des équipes françaises en fait en après les groupes. Ah ouais, je trouve que. Y a pas eu beaucoup de chance dans les armes, tu vois, genre en mode... Le problème, c'est que Vitality aurait dû finir premier de leur groupe pour que aucune équipe s'affronte avant les demi. Hein, ah ouais, demi-finale full française, hein, t'es sûr d'avoir un gagnant français, là... Du coup, ils étaient trois équipes et la seule équipe qui devait pas perdre, elle a perdu, quoi. Genre, J'aime pas trop la compo de BDS, là. Je la trouve pas équilibrée. Enfin, je trouve qu'elle va, elle a pas le même objectif en fonction de certains. Parce que là, il joue Olavai, donc c'est du rentre dedans. Et il joue Orianna, Caitlyn, c'est plutôt différent. Et Soraka. Ouais, c'est assez équilibré en vrai. Ouais, mais t'as du rentre dedans et t'as du teamfight, c'est un peu. Bah, c'est en mode, ils envoient. Ils mettent ultime de vaille, into shockwave, into one tap un mec. Pour le coup, je préfère largement la compo d'Hérétique. S'ils jouent Aatrox, Wukong, Victor, Senna, Séraphine. J'aimerais pas être à la place de la Senna quand elle va se faire run. Non, mais la Senna ne joue aucun teamfight en fait. La Senna va se faire pulvériser la gueule. Ah, Séraphine après avec. Hein. Séraphine, c'est mignon Séraphine, hein, mais ça heal pas tant que ça. Hein. Oh bien.
Oh, c'est quoi ce teamfight? Oh non, c'est R2 qui a pris le kill. Le multi-exp, ça existe dans le vrai jeu ou ils l'ont rajouté? Non, non, ça existe dans le jeu. Que j'allais dire, sinon, dès que t'as un Magikarp, on piche quoi. Ah, tu l'XP au swap, mais c'est un enfer. Ah bah, je me doute, ouais. En fait, au final, Magikarp, quand tu le jouais dans la vraie aventure, tu l'XP au swap Magikarp, parce que d'ici à ce que t'aies le multi-exp, bah, t'avais déjà besoin de l'avoir niveau 20. Donc, du coup, t'as déjà l'Eviator. Un San Cookie niveau 27. J'ai un Luxray qui a deux fois plus de level, tu vas faire quoi? Bon, mon Luxray du coup il a rattrapé son retard d'XP. Celui qui est à la traîne du coup maintenant c'est Cisaiox. En vrai j'ai une compo qui est très homogène au niveau des levels. T'as un problème avec cette triple faiblesse feu. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y en a un qui doit prendre une attaque qui tout double et potentiellement qui peut clutch. T'en as aucun des trois qui apprend une attaque qui tout double. Qui la prend dans ses levels ou qui peut la prendre tout court? Il peut la prendre court. Tu penses? Oui, je pense. Et les attaques que tu m'as dit, il y en a une foudre, une sol et quoi d'autre? Attends, je suis en train d'aller vérifier. Que si ça se trouve, il y a peut-être un monde où en mode une attaque qui transgresse un peu les règles mais qui marche, tu vois. Sera cassé illégal. Oh, t'as allé vérifier du coup? Ouais, il y en a aucun qui apprend. Vraiment aucun sur. Eh oui, il y en a aucun qui apprend. Mais c'est pas des attaques que beaucoup de Pokémon apprennent. Hein. Pas de chance pour moi ça.
pense que tu devrais commencer à retenter la ligue pour XP. Hein. D'ici un level ou deux. On est sur level ou 2 de qui aussi. Bah je sais pas où t'en es après donc. Oh BDS ils ont fait nimp. Non le bureau des sports ils ont trop bu. Il y a des box spéciales pour attraper des Pokémon haut. Ouais. Niveau 56 Luxray. Pardon. Ah bon bah BDS ils ont troll, ils vont perdre la game. Ça fait... c'est la première game? Ouais. Je me rappelle plus, Adam il avait gagné les EUM avec KC, non? Bah deux fois du coup, non? Non, une seule fois? Ouais, une, et après il est passé chez Fnatic. Ouais. Après il y avait Cabochard. N'empêche, un mec dont le pseudo me mettait vraiment très très bien, c'était Salut à tous. C'est le pseudo le plus drôle de tous les temps sur la scène compétitive. J'aimais bien ce XD Smiley comme pseudo aussi. Il y avait XD Smiley. Et il était dans la team XD, il s'appelait Smiley ou il s'était... Non, ok. Il jouait. En plus, il a joué chez Vita. En LFL. Mm. Je me souviens de Smiley tout court, mais... Non, mais vas-y, double dodge, j'aime ta mère. Il a rename Smiley après, mais au début, c'était Izzy Smiley. Non, mais trois fois d'affilée! Nique ta mère! Trois fois d'affilée! Putain!
Il y a littéralement 9 chances sur 1000 que ça arrive. Tout va bien, hein. C'est quoi la tankinesse de son démenta de merde là? Là tu lui envoies une attaque électrique, tu le one shot. Ah oui, celle que mon Luxra a raté 3 fois d'affilée. Ouais d'accord, ça marche. Il a que ça comme attaque électrique? Non, mais il en a voilà. Une qui le blesse alors qu'il avait 3 HP, du coup je pouvais pas, et l'autre qui le swap. Oui bah tu utilisais celle qui le swap parce que t'aurais one shot avec et t'aurais pu mettre quelqu'un d'autre au pire. Bah je pouvais pas prévoir que j'allais rater 3 fois d'affilée. Si si. Comment ça, si, si. J'en ai déjà réussi 5 d'affilée, alors en rater 3 d'affilée, c'est pas forcément... J'avoue que j'abuse parce que contre Cynthia, j'ai utilisé 3 Fatal Foot, les 3 sont passés. J'y recommence pas de foutre de ma gueule, toi. Hein. Il est mid level mon Léviator. C'est la fin. J'aimerais bien faire passer connard level 52 et ensuite je réessaye. Enfin, et après je mets des bonbons et ensuite je réessaye. Il y a une arène à Bonville. Je vais t'enculer. J'ai fait la blague tout à l'heure et il a posé vraiment la question une demi-heure après quoi. Il reste quoi comme arène que j'ai pas fait, je me rappelle plus. L'arène eau j'ai fait, combat j'ai fait, acier j'ai fait, glace j'ai fait. J'ai pas fait sol. Si sol. Sol j'ai fait. C'est foudre que j'ai pas fait. Mais foudre pour les Léviator c'est la merde. Il en reste une. Plante. Plante on peut pas. Y a pas d'autre arène disponible. C'est la déception. Bon bah on espère tomber sur des Pokémon pas trop chiants à affronter dans la grotte. Ouais, Dédé. Y'a Dédé qui est là? Dédé. Oh, Dédé? Dédé. Il est mute, il veut pas parler. Commence pas à imiter Tanguy, sinon je vais ramper Trek. Non, c'est Tanguy qui est arrivé, il a imité Tanguy. Dédé il boude, il veut pas parler. Il est muté. Allô, allô. Allô Dédé. ODD. Allô Dédé. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Ouais. Et toi, tu nous entends, Dédé? Ça va ou quoi? Ça va, moi, bien. T'as vu ce que je t'ai envoyé? Parce que j'ai mis dans le général, d'ailleurs. Oh, mais attends, j'entendais sur le stream. Ok. Attendez, j'ai pas votre voix. Il faut que vous allez redans les paramètres. Qu'est-ce qui se passe? Il nous entend écouter depuis le stream, je suis mort. Ouais.
Oui, bien joué, Léviator. Il faut qu'il level up. Oui, level up. Adri, t'es prêt à me coacher pour la ligue? Ouais, bah stream sur Discord, comme ça je peux voir en direct parce que ça va me péter les couilles ici. Yes, écran, bam, screen one. Déjà, je vais utiliser des bonbons sur le Léviator. C'est où qu'on les trouve? Dans le deuxième truc, les trucs de soins. Oh, j'utilise tout, hein. Ouais, level 56, let's go. Ensuite, on va heal tout ce petit monde. Sur qui récupérer ton Pokémon qui est au PC et enlever Castorno aussi. Oui, oui, t'inquiète, c'était prévu. Alors, Simiabraz. Vas-y, t'es mute. Hein. Donc là. On va. Alors, je vais mettre. Je comprends pas, j'entends personne. J'entends personne sur le truc. On va mettre ça sur Léviator. Ben non, parce que j'entends très bien les streams. C'est juste sur Discord, il veut pas le détecter, ce fils de pute. Placombre, on va donner ça à Dimoré. Ah, mais tout, mon équipe, ils ont encore gagné en Coupe de France. Point Simiabraz. Allô? Ouais. Allô? Ah, c'est bon, je vous entends. Luxray, Multiex, du coup, je pense que je vais mettre ça sur Cisaliox. T'as fini la ligue, Adri. Et Torterra, ouais. C'est... 5 Pokémon utilisés seulement et 0 heal. Vive Griffe. Mon Ectoplasma niveau 59, qui était mon plus haut level, n'a même pas joué. Dédé, là, je stream sur Discord et je vais montrer le comment je vais passer la ligue. Comment tu vas perdre la ligue, ouais. Contre le premier, est-ce que j'envoie Simiabraz ou est-ce que j'envoie Luxray? S'il me sort son vol, je peux Luxray, tu peux envoyer Luxray et swap. Mais il va pas envoyer un truc faible, hein. Il envoie toujours le meilleur de ses Pokémon face à toi. Enfin, le meilleur des Pokémon par rapport à ce que toi t'as en tête. Ok. C'est fait exprès pour rendre le jeu plus dur. Sans déconner. Cisaiox. Cisaiox, c'est bien contre mon Luxray. Bah, il a rien qui tanque l'électrique, donc il a mis le moins mauvais. Ouf. Oh, le vilain midlife. Pour le coup, il faut que tu utilises celui qui a le moins d'utilité sur ce truc-là. Ouais, pour le coup, Cisaiox, je l'avais placé la dernière fois, mais là, je vais utiliser notre strat. C'est pas Cisaiox qui va carry cette arène là. Ouais. Et tu dois surtout pas. Ça c'est bâtard. Tu dois surtout pas utiliser Simiabraz trop tôt. C'est quoi son truc qui peut counter Simiabraz? Il a un psy non? Ah, c'est son Drascore qui t'a fait chier tout à l'heure. Peut-être. Tu vas swap Cisaiox. Tu vas pas le laisser suicider comme ça. Parce qu'à cause de ton double close combat, t'as déjà plus de défense, tu sais. Ouais. Drascore, c'est quoi déjà? Un par insecte? Poison insecte. Il te faudrait Torterra, je pense. Ouais, c'était ce à quoi je pensais.
Mais il avait pas une attaque glace tout à l'heure quand il... Il en a une. Il a gros gifle. Ouais, mais là il a envoyé séisme. Ouais, mais par contre il va t'envoyer un gros gifle maintenant, mais là tu vas le tanker. Bah il va fumer surtout, non? Ah non, il est pas plus rapide. Il non, peut de temps en temps passer plus vite. De merde, gros. C'est un truc de fou. Ok, ton Torterra il servait qu'à ça de toute façon, à tuer le Draskor. Maintenant que t'as tué le Draskor, t'es fine. Ouais, mais gros, tu passeras jamais la ligue avec tes Pokémon, ils sont trop bas. Laisse-le suicider ton Torterra, il servira à rien d'autre. Adril, il arrivera pas à le passer, non? Bah, je suis arrivé jusqu'au feu. En vrai, c'est le feu qui m'a posé le plus de problèmes. Tout à l'heure, il a fait un try où il est arrivé jusqu'au feu, Vincent. Et en feu, il a 3 faiblesses feu, donc il passe pas pour l'instant. Ouais, mais là, j'ai Léviator 56, du coup, ça peut changer. Là, j'envoie Simia Brass, bas les couilles. Ouais, tu peux. Tu lui envoies une grosse déflagration. Ah, t'as pas. En vrai, t'aurais dû apprendre déflagration ton Simia Brass, non? Déflagration, c'est du feu. Ah, c'est de... ouais. Du spécial. Ouais. Ça tape moins fort que surchauffe, ça tape sur le spécial, on est d'accord? Ouais. Ouais. J'ai pas envie de faire 1h52 ou. Pourquoi tu l'as fait 1h52 de DD? Ouais, j'ai pas rentré. Ah là 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 là. La BDS, ils se sont pris une branlée sur la première game là, de la finale des EUM. Mais par non. Les Espagnols? Si, si. Oh, non. Ils perdent à 0 du coup. Ah, il a turbo. Et moi, c'est moi ou c'est beaucoup moins hype là comme c'est BDS en. Parce qu'il y a que 40 000 viewers. D'habitude, on est vite à 70k. J'espère qu'il te tue pas par contre. Ah oh, ouais, non. Bah, tu mets ta prio hein, du coup. Ouais, c'était prévu. Oh le bâtard! De toute façon, le vrai problème d'aider par rapport à ça, c'est que comme les fans K-Corp sont des gros fils de pute, ils veulent pas soutenir la France. Ils ne veulent pas soutenir la France et ils ne regardent pas la game du coup. Chiant. Faut dire les termes, hein. C'est des gros fils de pute. Bah regarde, moi je suis fan K-Corp et pourtant, regarde. Oui, mais toi t'es pas un fils de pute. Si, pourtant je suis dans le Discord, je suis classé parmi les fils de pute. C'est vrai qu'il est classé dans les fils de pute dans le Discord. Pas dans le Discord, dans le même Discord, donc ça va. Là, t'es dans un Discord où y'a pas de fils de pute, y'a que des gens bienveillants ici. Par contre, t'aurais quand même pu stream le son avec. Quoi? Ah oui, tu parles du jeu. On peut partager le son sur Discord. Le... Ouais. Ouais, sur Discord. Allez, on joue, balance un éclair fou, on s'en branle. De toute façon, tu sais que t'es heal à la fin, donc tu t'en bats les couilles. Exactement. Tu te rends compte, Dédé, que mon combat le plus dur, celui qui a été le plus serré, c'était contre l'insecte au final? C'est le combat. Ah ouais? C'est le premier du conseil 4 qui m'a mis le plus en difficulté. Bah pourtant, avec Simia Brass, tu passes vite, hein. Ah, mais mon Simia Brass, il s'est fait one shot par un crit. Ah merde. Je sais plus qui a une attaque. Qui avait un. Ah, je crois que c'était un lame d'air et il a pris un one shot par un crit, c'était. Ah beaucoup. Oui, je me rappelle, ouais, ouais. Le lame d'air il faisait chier. Ah non, je me faisais pas one shot, mais je me faisais haute speed, il a fait lame d'air flinch, ah oui, oui, oui. Et lame et, deux, et il me mettait tout juste mid life et il me lame d'air coup critique, j'étais fou. Ouais, exact, c'était vrai. Ouais. Donc là du coup c'est le sol, je sais plus ce que j'avais fait pour passer là, le là, sol. Tu peux pas mettre Luxray en tout cas. Ouais, Luxray, là, je sais que Chakra qui m'a carry avec l'attaque tunnel. C'est qui passe en proms du coup là? Attends, je réponds à des DVT. Moi celui ce qui m'a carry gros. Le Karchakrok, il a one shot mon lead, je sais plus qui j'ai mis en lead, mais elle a mis tout de suite Karchakrok. Elle m'a one shot mon premier poké, je sais plus qui c'était. Et c'était Simia Brass. Ah oui, si, Simia Brass quand Cynthia n'a pas joué. Parce que moi en fait ma strat à chaque fois c'était de mettre Simia Brass en lead et de faire demi-tour avec Simia Brass. Et je mettais ce que je voulais derrière. Et en fait je savais pas que son Karchakrok il était plus rapide. Et il m'a mis un séisme coup critique, j'ai fait ah. Du coup, il a one shot mon Simia Brass. Derrière, j'envoie mon Givrali. Il fait déflagration. Il rate la déflagration. Bah, ce miss là fait que j'ai gagné, hein, clairement. T'aurais pas dû lead Léviator, c'est ton carry. Tu lead jamais avec ton carry de ton. Je t'ai dit, tu lead pas avec ton carry. T'as une chatte, mec. Oh. Oh la B qu'il fait attaquer en premier. Je t'ai expliqué le principe. Ils mettent forcément le meilleur Pokémon face à celui que t'envoies. Donc tu ne mets pas ton carry principal par rapport au combat que tu vas faire en premier. C'est le pire truc à faire.
toute façon, mets des Pokémon assez neutres à chaque fois en premier. Tu sais qu'ils vont peut-être taper un peu, peut-être qu'ils vont gagner, peut-être qu'ils vont pas gagner. Mais c'est mieux que de mettre juste un truc de... Merde. Quoi ? J'aurais jamais dû envoyer Torterra face à Scorvol aussi. Hein. Après, si tu stream pour en faire qu'à ta tête, y'a rien écouté. En même temps, tu me dis de t'attendre, mais t'as eu 3 ans. Bah, je t'expliquais un truc. Et si tu pouvais éviter de mettre toutes tes faiblesses vol sur lui, ce serait pas mal quand même. Bon, on va dire que c'était une phase XP. Bon, ce combat-là, il est perdu. Hein. Envoie tout, mais tu vas pas gagner. T'as envoyé les pires Pokémon à chaque fois sur lui. Il est mort. T'iras moins loin que tout à l'heure alors que t'as XP entre temps. Et tu pourras pas le tuer avec ça, ouais. Ah, mais ne sous-tue pas, ça ne sert à rien. Ton combat est déjà perdu. Hop, bon. À part s'il y a un monde où t'arrives à te placer, mais je sais pas comment. Parce que là, tu te places pas sur son Scorvol, donc. C'est Simiabras qui devait affronter Scorvol. Mais je suis pas sûr que tu l'aies outspeed. Mais si mon Simiabras s'est fait one shot. Et il t'a outspeed ? Ouais, donc bah ça passe pas du coup. Bah, bizarre ça tue, non ? Ouais. Bizarre ça tue, mais là il a plus que. Un Pokémon ennemi, on va dire, maintenant. Il va être dévoré contre lui. C'est cool, il a pas de fin. Attends. En vrai, moi c'est là où j'ai plus galère. Hein. Moi celui-là, je l'ai fumé. J'ai placé Léviator et j'ai one shot tout le monde. Oh, t'as de la chatte qui l'a gelé. Il a été dégelé instant, t'as pas de chatte. Je pense que là tu tues avec Surf, mais derrière, si Zerux est tout seul, il passe pas. Hein. Je pense que je reste pas les autres. Bah. Le problème, c'est que tu vas prendre des dégâts de grade de la tempête sable. Si t'as outspeed avec un, ne serait-ce qu'un seul de ces Pokémon, t'es foutu. Ah, Barbicha, tu l'OS pas en plus. Parce que t'es. Est-ce qu'il est fort contre Scizaiox, Barbicha ? Tu mets le maximum de dégâts avec Léviator là. Le switch maintenant c'est le pire move. Envoie Surf, c'est ce qui va mieux le taper. Normalement tu meurs à cause de. Avec l'attaque plus le. La tempête sable, je pense que tu meurs. Oh non, pas du tout. Il a fait ébullition, mais il est trop con. Un petit crit là ? Mid, l'autre mid, ok. Mais tu peux retaper une troisième fois ? Ouais. Tu meurs pas de la tempête ça ? C'est un troller à faire ça. Mais je sais pas si ton petit Deox il a vient le dernier poké. Je sais même plus ce que c'est le dernier. Good job. Oh, y'a plus de tempête de sable. Ah, il faut que tu lui mettes un surf à lui. Ouais, joue de speed, let's go, je passe. Je crois que. Ouais, je crois qu'il a un truc pour tanker, j'allais dire. Bon, après, il meurt d'un close combat de Scizaiox. Hein. Ok. Mais je sais pas si Scizaiox il se fait pas. Non, il se fait pas outspeed. Sinon, je peux tenter faire la piste au point, Pierre. Mais je suis pas sûr que t'aies les dégâts avec piste au point. Non, c'est bon, ça passe. T'as de la chatte quand même parce que t'as vraiment très mal joué tout le combat. Hein. Le début, j'avoue, c'était vraiment dégueulasse. Oh, l'XP qu'il a gagné. Ah, vaut mieux tu n'auras besoin, parce que je pense que dans l'état actuel, si tu fais tes combats comme ça, tu gagneras jamais consigne, ça c'est sûr. Ah, Tanguy il s'est remis sa défense là, il est au casting déjà de la finale des Uimaster. Il s'est remis de sa défense. Il a été bien défoncé. Il était dans un bel état encore hier. Ouais. Et il m'a fumé avec son histoire. T'étais encore là ? Quelle histoire ? Avec son ballon là. Envy Planting. Quand il se parlait de sa poire et tout là. Ouais. Ouais, j'étais là. Adrien, du coup, c'est lequel de ces Pokémon dont je dois absolument me méfier pour Léviator ? Je me rappelle plus ce qu'il a. Il one shot, non ? Non ? Ouais. J'espère que le Fatal Foudre passe parce que sinon. Ok.
tue pas. Ça ne veut dire rien de switch de toute façon, donc... Ah, dans l'état actuel, tu dois envoyer Cisayox et mettre un pistolet au point parce qu'il énerve sa défense. Je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, ouais, Cisayox, il va se faire... Pour moi, il va switch. Hein. Voilà. Ah, il se heal, c'est pire. La tech, c'était peut-être de tenter le placement de Cisayox, de mettre un dans Slam en sachant qu'il allait se heal. Enfin, close combat, tu tues. Hein. Hit out speed, tu meurs. Chier. Ouais. Le problème c'est que le fait que tu l'aies pas OS le Simiawa, ça te met à la merde. Tu dois envoyer Léviator là. C'est lequel qui a une attaque foudre? Pas Simiawa. Mais si je me fais outspeed aussi, c'est très con de faire ça, non? Il peut pas apprendre point éclair. Donc c'est de la merde. Il peut pas l'apprendre Simiawa normalement. J'espère vraiment que j'outspeed les autres. C'est une plaisanterie. Le voici, mais nique ta mère aussi. Fais voir les stats de ton Léviator là, y'a un truc qui va pas. Pourtant, il a des bonnes stats en vitesse normalement. C'est pas normal que tu te sois fait outspeed. 128 de vitesse là. Ouais, non, c'est pas normal que tu te fais outspeed. Moi j'ai le même problème, il y a plein de Pokémon qui m'ont outspeed à la ligue. Et je pense qu'ils ont des IV du coup à la ligue, parce que sinon c'est pas normal que tu te fasses outspeed. Parce que là si je regarde les stats de Galopin en vitesse... Bah si. C'est normal qu'il t'ait outspeed. Bah Galopin a bien cassé les couilles. Là il a entre 112 et 172 en fonction des IV, donc je sais pas les IV qu'ils ont les Pokémon à la ligue, mais... Normal que tu te sois fait outspeed. Pourquoi ça affecte pas Maganon, le séisme? Il a un ballon. Oh. J'arriverai jamais à passer le feu en fait. Il doit jouer différemment le combat. Mais non, ouais, non, c'est pas une équipe équilibrée d'avoir triple faiblesse feu, c'est pas normal. Si t'as brûlé, donc tu tueras pas avec le deuxième. Si jamais tu pouvais le placer, bah de toute façon non, tu meurs. Et là, si Miabras tout seul ne fera rien. Ouais. Essaye de tuer quand même, avec un Explofort, ce sera mieux quand même. Un Explore Force, c'est pas ce que tu veux faire. Je crois que je vais devoir acheter jouer avec des rappels hein, pour celle-là. Hein. Non, j'ai peut-être une idée. Mais faudra refaire. Tente de te placer ton Simiabras et tu vas tenter le one shot avec Explore Force. Plénitude? Ouais. Tu mets une plénitude et tu vas espérer pas rater Explore Force. Ça peut passer si tu touches les deux. C'est vrai qu'il a tunnel sans pyrolia le mort-moi le cul. Ok, bon. Et bah là, t'envoies Explo Force et faut pas miss. Ah, c'est que job. Voilà. Comme ça, par exemple. Non, c'est pas grave. De toute façon, le début de combat s'est trop mal passé. Tu dois retenter autrement. La dernière fois, j'avais mis Torterra au début. Il avait one tap son Simiabras. Et bah, retente de lead Torterra alors. T'arriveras à ce combat là. À son, à force de la faire encore et encore, il y a bien un moment donné où ça va passer. Hein. Tout à fait. Bonjour, je suis Iron du Conseil 4. Il a vraiment envoyé Yann Mega contre Luxray, c'est un ouf lui. Je pense qu'il considère que tu vas pas l'OS. Mais je crois qu'il se trompe. Ah ouais, mais non, il a sa ceinture force.
Ah, du coup, je viens de faire de la grosse merde. J'ai la strat. Je vais passer facile. Non, mais laisse mourir Luxray. Il faut laisser mourir Luxray pour que ça passe. Tu vas envoyer 6 Aiox et tu vas te placer. Parce que là, il va switch. Là, 6 Aiox. Il switch pas. Bah, c'est encore mieux en vrai. En vrai, c'est encore mieux. Du coup, maintenant que t'es placé, tu commences à taper. Tu mets ton attaque de prio. On die, non. Et là. Even, one, even. Il va être obligé de mettre un gros Pokémon, voilà. Close combat ou dans Slam? Non, dans Slam, tu te fais Weather. Je pense que tu dois faire un Play Croix parce qu'avec le stab, c'est la meilleure attaque que tu puisses faire. Il t'outspeed, oh, c'est relou. Oh, il te fait 0 dégâts, pas. Attaque prio? Ouais. Je pense que tu tues, ouais. Voilà, le fait que t'es pu placer un peu 6 Aiox, tu sens la diff quand même. Alors lui par contre t'es foutu, t'es obligé de pister au point et tu es obligé de mourir parce que y a pas de... Il est trop fort pour toi. Si t'avais pu mettre 2 dans Slam, tu tuais. Oh, en vrai ça va, j'ai toujours semi à braise. Non mais là c'est bon, là tu le passes facile. Ah mais l'insecte moi en vrai c'est le plus facile pour moi. Ah, mathématiquement ça paraît assez logique en vrai. Oh! Alors, too old. Glace, c'est fort contre insecte ou pas? Ouais, en mode il m'aurait de toute façon. C'est lui qui doit rentrer. C'est quoi? Comment il joue? Ah, le bâtard. Après, Blizzard, ça reste quand même ok contre Isaiox. Non, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Ah, oui, effectivement. Dans Slam, allez! Non, je rigole. Ah, tu le touches pas là donc tu dois soit. Léviator? Ouais, Léviator, parce que tu vas nerf son attaque avec l'intimidation. Combat de con parce que vous avez tous les deux pas de bonne attaque pour vous taper. Pas attaque efficace, tu veux dire. Parce que moi en soi, je peux juste lui surfer dessus. Parpuis dessus, ma main. À la fin de cette tentative, j'irai pisser. Oh, Shio, il est encore niveau 1 là. Ouais, aucune gêne. Il s'est fait cheese à l'enfer. Que je viens d'entendre là? De gars? Ah! C'est toi, salut! Moi je passe, c'était sur les streams, son pseudo. Ok, ok. Je sais pas, il est marqué regarder le stream, on sait pas. Parce que je suis en stream sur Twitch en même temps. Ah, c'est pas mal. Ah, tu. Vas-y, t'as un des Pokémon les plus cheatés, normal que tu gagnes. Oh là là, mais putain! Ils sont trop nuls, BDS, ils vont se faire 3-0. Non. Bah gros, ils font nab. Imagine, c'est l'Espagne qui gagne les EUM quoi. Ouais, bah le DLC ils ont été frauduleux aussi, faut le dire. Donc la reine sol, c'est qui passe en premier déjà? Ah, Luxray. Cisaiox, non. Suicide? Non, non. Ouais, Dimoré, suicide, c'est mieux. Dimoré, allez, c'est parti. Waouh, mais c'est bon. Comment ça, on a fait 1-1 contre Rennes, l'Olympique de Marseille, c'est honteux. C'est nul. Comment ça, on est nul? Un supporter marseillais, merde. Oh là là. Dégage-le, là, ça mérite pas de rester là, ça. Bannir, hop. T'es pour Paris, toi? Non, non. Ah, non, pour Lyon. Ah, ça va, Lyon, quoi. C'est une bonne équipe, Lyon.
Écoutez les gars, le lion c'est bien aussi. Tu dis ce que tu veux, ça me fera pas aimer Marseille. Ah non, chacun comme il veut. Hein. Oh quoi? Pourquoi ça l'a pas kill? Parce que t'es brûlé mon gref. Ah ouais, bien vu. La meilleure équipe c'est Paris les gars. Là, PSG. Forcément quand t'as 3 milliards de budget, ouais c'est plus simple que les autres équipes. Ah, ils ont fait mes meilleurs joueurs. Ça, c'est les rageux ça. Ils gagnent jamais. Ça. Je peux me permettre de faire un dance slam? Y'a moyen je pense. Adri, je fais un dance slam? Oui vas-y essaye. On va voir les résultats du PSG hein. Ils ont gagné, là ils ont gagné, là ils ont gagné, là ils ont gagné, là ils ont gagné, là, ils ont gagné. Ils ont perdu. Ouais mais regarde quand ils ont. Moi d'en mettre une deuxième grid. Ils ont mis 7-1 à Lille. Ouais. Ça va, c'est humiliation. 5-6, ils ont perdu. Et là, tu tapes. Comment ça match reporté? Comment ça? Quoi? Je l'ai pas one shot. FF. Ah, je pense que c'était pas close combat qu'il fallait faire. T'aurais tué avec Playcroix. Non, après tu peux le battre quand même. Ah, j'espère que tu flinches parce que sinon tu te fais OS. Putain, je fais si peu de dégâts à la machouille. Mais oui, non mais il tank sur le physique. Oh, bon, allez. Coup critique, je pense que tu perds 3 fois ta barre de vie là. Le problème, c'est qu'il a pas utilisé celui qui est fort face à Léviator. C'est lequel déjà? Problème. Ah, oh, score vol l'enfer. Bon, de toute façon, tu vas te faire OS, mais une surchauffe. On dégage quoi. J'envoie lequel des deux, Léviator ou lui? Ouais, tu peux pas envoyer Torterize, ouais. Il peut dodge le séisme en plus. Non mais il va pas mais faire séisme en sachant que t'as envoyé Léviator. Atterrissage. Il tente quand même de se soigner, je pense que tu le tues. Ouah, mais BDS, c'est des fraudes. Oh. C'est abusé. La Heretics, en plus d'avoir acheté un slot en LEC, ils ont acheté les EM. Ah, c'est pas bien ça. Ah non, il... C'est qui ce fils de pute qui supporte Marseille là? T'as pas le droit de laisser des gens comme ça dans ton Discord. Moi je vais le bannir. Ah ouais, lui c'est un gentil. Non, c'est pas un gentil, il supporte Marseille, c'est forcément un méchant. C'est vraiment un fils de pute. Hein. Merci Dédé, on est bien d'accord. Putain, il fait chier avec sa baie de merde là. Est-ce que Torterra fait les deux kills? Ah, je suis dégoûté, gros. Ils jouent comme des macaques, mes potes là. Et qui sont derniers? Après, Torterra, il est bon contre son équipe à lui normalement. Ouais, mais je regarde qui est-ce qui. C'est Rhinastock. Marteau bois? Ou c'est. Non, parce que si tu tues pas avec marteau bois, t'es mort. Alors que je pense que si tu fais giga sans su, c'est plus safe. En su, je me suis bien aussi. Giga sans su, c'est x4, hein, donc t'aurais pu faire giga sans su. Ah ouais. Il a avalanche, tu meurs, hit OS. Oh, tu l'as perdu. J'aurais dû envoyer Torterra ou Léviator plus tôt, j'ai hint. Oui. Alors, autant faut pas les mettre trop tôt, autant faut pas les mettre trop tard non plus. Oh, ça me casse les couilles. Bon, j'ai pissé, je reviens.
Oh, cette tentative elle passe pas, je pense que j'arrête et puis fuck hein. Scarinho. Adri, t'es là? Adri? Adri? Il est pas là, ça te répond pas, gros. J'ai entendu un hop là. Hein? Je t'attendais. Et là, je fais quoi? Est-ce que je place ou est-ce que je tape? Il faut que tu le tues. Lui, il casse les couilles. C'est une catastrophe, BDS. Ouais, c'est trop nul. À Pyrène, est-ce qu'elle peut, elle peut me baiser ou pas? Tu dois switch, je pense. Qu'est-ce que je dois mettre contre à Pyrène? Envoie Dimor et suicide. Dimoré, de toute façon, il va servir quasiment que de suicide. Alors, ouais, contre le sol, il peut mettre de la glace, qui est plutôt pas dégueu en soi. Ouais, le problème, c'est le... Il a quoi comme item, ton Dimoré? Il a un truc qui renforce l'attaque ténèbres. Dommage qu'on soit pas attaqué. Tant tu veux un blizzard si jamais t'as outspeed, mais... Okay. Oh oui. C'est ridicule. Luxray, du coup? Ouais, mais Luxray. Elle vole. Non, mais il faut que tu mettes une attaque avec Luxray. Je pense t'envoies un éclair fou pour être sûr de toucher. Ouais. No way, guys. Ouais, c'est parce que je dis, elle vole. Enfin, c'est un vol. La ah. Pyrène. C'est trop nul. Oh, c'est un truc de fou de jouer avec des merdes. Ah, lui, il a son truc qui fait qu'il peut pas se faire one shot. Bon bah éclair fou hein. Attends, il mode spin là. Ouais. Turbo, aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je fais du coup, Cisaiox ou Simiabraz? Non, c'est Léviator qui joue je pense. Pour lui baisser son attaque directe. De toute façon tu te fais outspeed. Et donc là c'est vent violent. Il va tenter le flinch parce que t'as envoyé un bon Pokémon. Ouais, c'est... Alors tu peux pas le one shot, mais je suis même pas sûr que t'es les... Ouais, super. Mais... Ah, tu l'as rendu confus. Envoie ouais, un truc qui est sûr de toucher. Oh, il peut pas taper. Oh, c'est incroyable. Ah, la probabilité. Ça m'est bien. Surf, mais cela échoue. Oh merde. Bon, lui, il faut lui mettre des dégâts de gratte. Vas-y, il triche avec CB là. Mais non. Ah ouais, mais si, tout... Et si t'as toute la chatte du monde maintenant. Bah c'est ça le problème, ouais. C'est que c'est après que j'en ai besoin de la chatte. Bon là il va tenter le piste au point, mais bon, tu peux tenter une attaque hein. Bon de toute façon, il a pas fait Simiabraz, hein. Il a pas fait piste au point parce que tu l'as outspeed. Ouais bah tu finis avec Simiabraz de toute façon. Là mon plus bas du coup c'est 55 je crois et c'est Torterra et Torterra et Dimoré et Cisaiox et 3,55 j'ai 2,57 hein, 56. Par contre je sais vraiment pas à quel point psy je le passe ou pas. Ton Dimori peut être utile pour le psy. Ouais, ce sera le Pokémon clé. Mais
Après, je me demande s'il n'y a pas des lance-flammes ou des trucs comme ça, en mode fils de pute, comme attaque qu'ils peuvent avoir. Du coup, contre le sol, est-ce que c'est Torterra en Prums? Je pense... Je vais envoyer Torterra. Ouais, tu peux essayer avec Torterra. Mais qu'est-ce qu'il va mettre comme Talik Torterra? Hippodocus. C'est du placement en malédiction. C'est full placement en malédiction que tu dois faire là. Et tu te heal avec le giga sensu. Genre legit, tu fais deux malédictions giga sensu, tu vois. Ouais. Il a senti la connerie. Bah du coup c'est très bien ça. En plus il m'out speedé. Je retente une malédiction. Je fais une malédiction du coup? Non non non. Je fais quoi alors? Tu dois le taper. Bah du coup t'augmentes ta défense, normalement tu te fais pas tuer. C'est une catastrophe. Il a une esquive ou quoi? Il a peut-être un talent qui lui permet d'esquiver pendant les tempêtes de sable. C'est peut-être pour ça qu'il a fait ça. Oh la chatte. Ah, par contre j'aurais peut-être pas fait giga sensu. J'aurais quand même tapé marteau bois parce que tu meurs quand même. Donc il a fallu mettre le maximum de dégâts du coup. Non parce que là ma griffe va me refaire taper. Ah t'as demandé un petit peu beaucoup là. Je sais pas c'est quoi le pourcentage. Oh il est moins de 50 hein, c'est 33 ou 25 je pense. Oh, pourquoi t'as mis X-Ray maintenant? Je sais pas. En vrai je me dis que lui il va me péter les couilles anyway en fait. C'est qui là? C'est Léviator? Ouais c'est Léviator qui doit rentrer. Mais là t'as déjà perdu du blâme. Torterra ça casse les couilles. Il est full life. Abusé empêche la speed qu'il a son score vol. Oui, crit. C'était le crit qu'il fallait avoir. Oh mais chéo. Bien joué. Ah mais j'oublie tout le temps sa baie de merde là. Le problème c'est que tu peux pas y faire grand chose. Hein. En fait le truc c'est qu'il a fermeté et baie machin et c'est trop fort le combo. Là. Placement avec Cisaiox ou quoi? Non parce qu'il va mettre un truc qui t'empêchera de te placer je pense. On va voir hein mais... Ouais on a vu tout à l'heure qu'Hippodocus le placement c'était dur. Tu peux essayer hein. Mais faudra pas faire close combat. Ouais, j'aime bien l'idée de mettre qu'une seule dans slam et de mettre le play croix, c'était plus intelligent. Allez, c'est du 2,5 v2. Un piste au point. Un close combat en vrai. Et tu l'as outspeed. Il est quoi comme truc Rhinastock? Roche sol je crois. Le combat c'est fort sur roche. Ouais. Okay. Simiabras outspeed tu penses? Simiabras outspeed ouais. Mais tu dois pas... Ouais tu mets un lance-flamme parce que c'est... Ouais, faut assurer là, hein. Faut pas en ouais. Grippe pas. Hein. Quand on peut privilégier la précision aux dégâts, faut le faire. Il reste Barbicha. Barbicha. Close combat. Explode force, pardon. Ouais. Et pas si freeze combat encore. Hein. Oh le coup critique. Instant, tu veux continuer un karma positif s'il te plaît? Ouais vas-y.
Il est chiant avec son monologue en deux temps, lui. De toute façon, les Adrien, on les connaît. Hein. T'es déjà sur le combat suivant, j'avais même pas. Ok, bon bah là, tu dois envoyer un change éclair parce que c'est pas Luxray qui le tue celui-là. Ouais, bah de toute façon, il est là juste pour changer éclair. Hein. Ah, il t'a outspeed. Bon bah, du coup, changer éclair n'avait aucun intérêt. Au moins, j'ai pété son ballon. Qui y va? Je tue pas avec un expo fort de Simiabras, je pense. T'as quoi sur Simiabras comme item? Plaque point? Plaque point, ouais. Ça se tente. Tu dois pas être loin au niveau des gars. Et je vois pas quand est-ce qu'il sera utile ailleurs, de toute façon. Allez, s'il te plaît, Simiabras, mon pote. Yes! Ouais, plaque point diff à mon avis, hein. C'est vraiment ce qui fait les dégâts. Mais tu sais que genre y avait une tentative, j'avais oublié de mettre tous mes objets. Bah, c'est la première tentative où je suis arrivé jusqu'ici, j'avais oublié la moitié de mes objets. Est-ce que je me place? Je pense que t'essayes. Quelle gamme, hein. Tu mets une plénitude et tu lâches du expo force à tous les rounds. Si t'as outspeed à chaque fois, du coup t'es foutu. Hein. Ouais, t'es foutu. Faut espérer qu'il rate son attaque. Il peut pas la rater. Ah merde. Oh le seum. Oh à Léviator du coup. Indri Léviator. Léviator, ouais. C'est le moment. Ça, nice, ça a baissé son attaque. Surf ou vent violent? Ouais, normalement je le one shot vu qu'il a baissé ses stats. Ah, il a un point éclair, c'est vrai. Point éclair. C'est attaque physique aussi. Mais là t'es paralysé, c'est une catastrophe. Faut que t'envoies un suicide qui va tanker une attaque. Je pense que t'envoies Dimoré en suicide et tu dois heal Léviator parce que le... T'as un truc pour enlever la paralysie et heal en même temps? T'as une guérison? Guérison, normalement ouais. Hein. Pour l'instant tu regardes si t'as pas besoin de le faire, mais si t'as besoin de le faire, il faudra le faire. Bon, il te tue mais tu l'emmènes avec toi je crois. Ah peut-être pas. Ah ouais, bon piste au point pour finir. Piste au point c'est qui déjà? Non mais pas, elles sont parties où? Oh. Ah oui c'est vrai, putain j'ai... On piche hein Massine. Ah putain il se heal le fil de pute. Bon bah mets le maximum de dégâts. Il t'a au speed, t'es mort. Feu galopa. C'est quoi la tech là? Luxray, tu es le Léviator. T'es guérison? Ouais. Quoi? T'as pas le droit de te heal? C'est interdit de se heal pendant le truc cliqué, ou... T'as pas cliqué sur le bon item, je pense. Ouais, hein? Pourquoi? Bah, essaye anti-para pour voir juste. Ouais, ah, peut-être que les guérissons elles ont disable ou je sais pas quoi, c'est bizarre. C'est Léviator, hein, c'est pas Torterra. Il te tue pas mais il t'a outspeed. Ah putain, il y a l'éclair. Bah il te tue du coup. Mais il meurt, je pense, non? Putain, c'est une catastrophe, hein, tes combats. Vraiment trop dur, la triple faiblesse. Hein. Oh, il te brûle, le fils de pute.
Ah là, par espérer des clutch griffes, je vois pas ce que je peux espérer. Ah ouais, t'es brûlé en plus, c'est mort. Tu devrais heal quelqu'un, si... enfin, à part si tu penses que t'es pas capable de passer la suite après. Tu peux pas avec une triple faiblesse feu, tu peux pas passer, hein. Vraiment. Hein. Dans l'état actuel de ton équipe, avec les attaques que t'as et tout ce que t'as, t'as pas les capacités de passer. Je pense que ça peut y aller avec genre beaucoup d'XP en plus ou c'est vraiment l'équipe qui est moisie et c'est bon. Ton équipe qui est moisie et avec le fait que tu puisses pas aller chercher plus d'XP, je vois pas comment tu passes actuellement. Ce qui manque c'est un poké qui peut se placer pour ce combat là, mais en fait faudrait que tu puisses placer Léviator, Torterra. Pour ce combat là, ouais, c'est que Torterra se fait out de suite par tout le monde et que la griffe c'est que ouais, c'est ça le problème, c'est que puis ça en plus il est faible au feu donc c'est chiant. Non, mais ils sont bestiles le Nashor, ils bon, sont bestiles le Nash. Bon bah, du coup, je stoppe et on verra la prochaine fois ce qu'on fait. Ah, yes, non.